Bonjour. Je suis Alexia Bonin, formée à la méditation. Et je vous invite aujourd'hui à cette séance de méditation en pleine conscience. Cet outil de développement personnel. Les bienfaits sont multiples. Il s'agit d'entraîner son esprit à s'apaiser pour favoriser la santé, le bien-être, être présent dans l'instant. Il existe de nombreuses techniques de méditation, mais elles reposent toutes sur les mêmes éléments de base, à savoir une bonne posture, un travail sur la respiration, une présence dans l'instant. La méditation en pleine conscience, c'est faire attention à son corps, à son environnement, choisir de s'éveiller pleinement à l'instant présent. On pourra ainsi minimiser le stress, l'anxiété, aider à surmonter les dépendances, augmenter la qualité du niveau de concentration, contribuer au développement personnel, à freiner le vieillissement du cerveau et de nombreux bienfaits, pourvu qu'on pratique régulièrement. Alors, je vous laisse vous installer et vous laisser guider par ma voix. J'inspire et j'expire. Je relâche. Je me détends. Je m'installe dans la position confortable de mon choix. Je prends le temps de choisir la position qui me convient le mieux. Puis je ferme les yeux. Je garde une respiration naturelle, posée, tranquille. J'inspire. Et j'expire simplement, sans me juger, juste apprécier ce moment. Je laisse partir toutes mes pensées, et même si parfois elles cherchent à revenir, je choisis d'écouter la voix, de prendre du temps pour moi. Et d'accepter pour quelques minutes de laisser le quotidien loin de moi, de me placer dans une bulle de protection. Aujourd'hui, dans ce temps de méditation, je passe un contrat avec moi-même et j'accepte simplement d'être ici et maintenant, à écouter cette voix sans juger les mots que j'entends. Je prends le temps de respirer agréablement. J'inspire par le nez. J'expire par la bouche tranquillement. Je recommence 5 fois en y prêtant toute mon attention. Je concentre. Tout
toute mon attention sur ma respiration ici. Maintenant, lentement, à rien. Rien d'autre n'a d'importance. Et même si parfois, des pensées, une douleur cherche à m'en détourner, je reviens à la voix. J'écoute les mots sans juger. Et j'apprécie. Je m'accorde une pause. Et je valide le contrat que je viens de passer avec moi-même. Et j'accepte simplement d'être ici et maintenant, présent à moi-même. Je reviens à ma respiration naturelle. Elle s'installe agréablement et tout mon corps se relâche, se détend. Je m'apaise. J'inspire. J'expire lentement. Toujours dans ma bulle de protection, telle que je l'imagine aujourd'hui, j'observe quand j'inspire. Je remarque le moment où mon inspire se termine et où l'expire peut commencer. J'observe quand j'expire. Et je remarque le moment où l'expire se termine et où l'inspire peut recommencer. J'observe tranquillement. Simplement et calmement, j'observe ma respiration. J'apprécie. Je prends ce temps pour moi. J'inspire. J'expire, je relâche, je prends le temps. J'aime ce temps que je m'accorde. Je ressens mon souffle, un peu comme un tracé sinusoïdal, un peu comme une vague, la vague du souffle. Je ressens, peut-être, comme si la mer se déposait à l'expire sur la plage de sable ou de galets. Puis se retire à l'inspire.
Je peux imaginer, visualiser ou ressentir, selon ma façon de percevoir les choses, une plage de sable ou de galets et ce mouvement de la mer à un rythme qui n'appartient qu'à moi. À l'inspire, la mer se retire. À l'expire, la mer se dépose. J'inspire, j'expire lentement et j'apprécie ce mouvement de va-et-vient apaisant de la mer. J'inspire, j'expire lentement, je relâche, je visualise, et peut-être même que je peux entendre la mer. Je relâche, je détends tout mon corps, j'apprécie ce mouvement de flux et de reflux, les vagues. Ce rythme qui m'apaise. Quand j'inspire, la mer se retire. Quand j'expire, la mer se dépose. Je continue ainsi et je reste concentrée. À chaque expire, tout mon corps se relâche et se détend. Se dépose. À chaque expire, j'ai la sensation de peser lourd, de plus en plus lourd, extrêmement lourd, et je dépose ainsi tout ce dont je n'ai plus besoin. Je reste à observer mon souffle ou à visualiser la mer que j'entends
quelques instants et j'apprécie ce temps que je m'accorde. Bientôt, cette vision, cette imagination, cette sensation de la mer va s'évaporer, disparaître. Lentement, je place mon attention sur mon ventre. Je peux même y déposer mes mains. J'inspire, j'expire agréablement, lentement. J'observe mes mains, mon ventre. Mes mains peuvent être posées à plat, de part et d'autre, à hauteur de mon nombril. Mes doigts se font face et peut-être que mes majeurs se touchent. J'amène ma respiration au niveau de mon ventre. J'inspire, j'expire et toute mon attention est portée sur mon ventre. À l'inspire, mon ventre se gonfle. Mon nombril se soulève. Mes majeurs sont peut-être plus en contact. À l'expire, mon ventre se vide. Mes majeurs se rapprochent. Ils passent peut-être même l'un par-dessus l'autre. Si mon ventre se creuse. J'observe le mouvement de mes mains, de mes doigts, le mouvement de ma respiration, de mon ventre, peut-être également à l'intérieur de mon ventre, quelques bruits, quelques mouvements. Je reste concentrée sur ces mouvements de mon corps. Je me connecte à moi-même. À nouveau, j'observe mon souffle. J'observe mon inspire,
Je remarque le moment où l'inspire se termine, où l'expire peut commencer. J'observe mon expire. Je remarque le moment où l'expire se termine, où l'inspire va recommencer. J'apprécie les mouvements naturels de mon corps. Je prends conscience de mon corps qui vit. Et j'apprécie cet instant. J'inspire et j'expire. Il s'agit là du premier niveau de souffle. C'est la respiration abdominale, relaxante. Je me laisse bercer par ce doux mouvement en moi, cette vague du souffle. Je pense à la sensation des vagues sur la plage, au flot ininterrompu, à la sinusoïde. Puis j'amène maintenant ma respiration dans le second niveau. Je peux bouger mes mains ou simplement les imaginer qu'elles bougent et se placent sous ma poitrine. Au niveau de mes côtes, j'inspire, mon ventre se gonfle et j'amène mon souffle dans la zone sous ma poitrine, au niveau de mes côtes. La partie de ma cage thoracique qui s'arrête à la poitrine. Au début, mes muscles respiratoires ne sont peut-être pas habitués. Et je peux sentir l'élargissement de mes côtes. C'est un mouvement que peut-être je ne suis pas habituée à observer. Alors, cela vient petit à petit. Je prends ce temps pour moi. Simplement, je m'accorde toute mon attention. J'inspire et j'expire. Je sens mon corps qui respire. À l'expire, la zone de mes côtes se relâche et se vide en premier, puis c'est mon ventre qui se creuse. J'inspire. J'expire lentement. J'observe ma respiration. J'apprécie ce temps pour moi. Puis j'amène ma respiration au troisième niveau. Que mes mains se déplacent ou non, je porte toute mon attention au-dessus de ma poitrine. À l'inspire, mon ventre se gonfle
L'écoute s'écarte. J'amène le souffle dans la partie supérieure de mes poumons. À l'expire, le haut de mes poumons se vide en premier, puis le milieu, puis le bas, et enfin mon ventre se creuse. Je suis alors en respiration complète. La respiration a trois niveaux. Mes mains peuvent rester indifféremment au-dessus de ma poitrine, sur mes côtes ou sur mon ventre. J'inspire, j'expire et je relâche. Je détends. Ma cage thoracique prend toute son ampleur. Je respire. Je savoure. Je ressens. Je reste ainsi à respirer calme et tranquille. Si une pensée vient, je l'observe. Je l'accueille et l'accepte, puis simplement la laisse s'éloigner sans la retenir. Je sais que j'y reviendrai plus tard, et je fais le choix de rester concentrée sur moi-même et d'écouter la voix, sans juger les mots que j'entends. Cet instant est le mien, celui de mon souffle. Je respire encore. Je vais maintenant relâcher la respiration complète pour revenir à une respiration naturelle, non contrôlée, calme, apaisée, tranquille. Je vais porter mon attention sur chaque partie de mon corps pour mieux les relâcher. Ainsi, je vais réaliser une rotation de la conscience destinée à faire attention à chaque partie de mon corps. Je commence par placer mon attention dans mes pieds. Je peux à loisir les imaginer, les visualiser, les sentir,
ou juste me laisser porter par la voix. Je peux imaginer qu'il bouge. Je ressens chaque orteil, la forme de mes pieds, leur position, dessous, dessus, je détaille les moindres informations et toute mon attention est portée sur mes pieds. Rien d'autre attire mon attention. Toute ma conscience est portée dans mes pieds. Puis je remonte et ressens mes mollets, en passant par mes chevilles. Je ressens, j'imagine ou je visualise la forme de mes mollets, la position. Je prends conscience qu'ils peuvent se contracter ou se relâcher. Je visualise, je ressens ou j'imagine dessus, dessous, dedans, mon mollet dans son intégralité. J'inspire et j'expire et toute mon attention est portée sur mon corps. Rien d'autre n'a d'importance pour moi, pour le moment, que d'apprécier la vie qui circule en moi. Puis je remonte et place mon attention sur mes cuisses en passant par mes genoux. Je ressens la forme, je visualise ou j'imagine ou je me laisse porter par la voix et je prends conscience de cette partie de ma jambe, de mes membres inférieurs, de cette partie de mon corps. Puis je remonte et place mon attention sur mes fessiers, bien relâchés, détendus dans la position que j'ai choisie aujourd'hui. J'observe, j'imagine. Ces formes à l'arrière de mon corps. Sans me juger sur le volume ou sur la structure, j'apprécie mon corps et je le détaille aujourd'hui sous ses moindres aspects. Puis je place mon attention sur mon ventre, toujours sans me juger sur le volume ou sur la forme, sur la structure, qu'importe aujourd'hui. Je suis dans mon corps et je vis et j'apprécie cet instant de vie en moi. Je prends ce temps pour moi et je place toute mon attention sur ce qui vit en moi et mon ventre qui bouge toujours au rythme de ma respiration. Puis je remonte encore et j'observe ma cage thoracique, le haut de mon buste, bien relâché, détendu, apaisé toujours, qui bouge au rythme de mes respirations. J'accueille toutes les informations qui me sont données.
J'apprécie. Sans me juger, quel que soit le volume, la forme de ma cage thoracique, je prends le temps de m'observer comme si je ne m'avais jamais vue. Puis je place mon attention sur mes épaules, je remonte, je relâche, j'apaise. Et toujours dans l'idée de bien détendre mon corps, je laisse se déposer tout le poids qui pèse sur mes épaules, quelles qu'en soient les circonstances. Je relâche, je détends et j'apaise, je pose. J'apprécie ce temps pour moi. J'inspire et j'expire et tout le haut de mon corps se dépose sur le support, se relâche, se détend et s'apaise. Puis je porte mon attention sur mon dos, bien relâché, détendu dans la position que j'ai choisie. Je porte mon attention au niveau de mes lombaires et je relâche également toute tension, toute pression, quelle qu'en soit la nature. Je relâche, je détends et j'apaise. Puis je place mon attention sur mon dos, le long de ma colonne vertébrale. Je relâche mes omoplates. Je relâche toute tension. J'apaise. Je dépose tout ce dont je n'ai plus besoin, quelle qu'en soit la nature. Puis je place mon attention sur mes cervicales, bien relâchées, détendues également. J'en dépose tout le poids, toutes les tensions, quelle qu'en soit la nature. Je détends, j'apaise et je relâche. J'accueille. Je relâche et je détends. Puis je place toute mon attention sur l'arrière de ma tête. J'observe ma tête dans la position de confort que j'ai choisie aujourd'hui pour méditer. Et je relâche toutes les parties de ma tête, à l'intérieur et à l'extérieur. Je détends mon cuir chevelu, je lâche toute tension, quelle qu'en soit la nature. Je relâche également mon front et tout mon visage. J'inspire
J'expire. Je détends le point entre mes sourcils. Je détends mes sourcils, mes paupières, mon nez, mes joues, mes lèvres, mon menton et enfin ma gorge. Tout est absolument détendu, relâché. Et je peux même, si j'en ai envie, dessiner un très discret sourire sur mes lèvres. Je respire. Je vis et j'apprécie cet instant que je m'accorde. Mon corps est absolument relâché, détendu. Quelle que soit la position que j'ai choisie, cette détente me permet d'entrer dans le monde de l'esprit. Puis j'imagine, je visualise, je ressens ou simplement je me laisse guider par la voix. À quelques centimètres au-dessus de mon nombril, une sphère, à peine plus grosse qu'une boule de pétanque. Je visualise cette sphère. Quelle que soit sa couleur, sa taille précise, je laisse venir sans contrôler ce qui se présente. Je l'observe sans la juger, simplement comme un témoin de cette présence. Que je la vois ou non, que je la sente ou non, si je me laisse simplement guider par la voix, je prends conscience que c'est possible. Si la sphère s'est bien présentée, je peux prendre conscience de sa spontanéité. Est-ce que je l'ai vue rapidement? Est-ce que je l'ai ressentie de façon claire? Est-elle plutôt transparente ou opaque? Est-elle foncée ou claire? A-t-elle une couleur? Je l'observe simplement sans la juger. Je prends le temps. J'observe et j'apprécie. Puis je peux, si je le souhaite, si j'en ai envie, modifier son aspect. Si elle est claire, je peux la faire devenir un peu plus foncée. Si elle est foncée, à l'inverse, je peux essayer de l'éclaircir.
Je peux la faire devenir encore plus transparente ou plus lumineuse. J'observe sa forme, sa pureté, sa beauté. J'apprécie sa perfection, sa simplicité. J'observe sa texture, si elle a des reflets. Je prends le temps de bien me concentrer sur cette sphère à quelques centimètres de mon nombril. J'apprécie juste la sphère. Je me concentre sur cette sphère et bientôt, c'est comme s'il n'y avait plus que la sphère. Je suis absolument détendue, relâchée. J'observe toujours cette sphère. Et c'est comme si cette sphère pouvait se déplacer et se trouver maintenant au-dessus d'une étendue d'eau calme. Elle flotte au-dessus d'une étendue d'eau calme. Juste la sphère, juste l'eau, juste le ciel. Tout est calme, détendu. J'apprécie cette quiétude, cette bulle de protection. Je savoure cet instant. J'apprécie ce calme. Et bientôt, tout en gardant cette tranquillité, ce calme, cette sensation de protection, et sachant que je pourrais à nouveau méditer ainsi. Je vais lentement accepter de mettre fin à cette séance. Doucement, je laisse partir cette vision de la sphère tout en gardant tout ce qu'elle m'a apporté d'agréable. Je garde ce calme, cette tranquillité intérieure, cette sensation agréable de protection. Puis je réimagine l'endroit où je me trouve. J'observe mon corps dans la sensation, dans la position où je l'avais installée. Je reprends contact avec le support où je me suis posée. En gardant bien en moi tout ce que j'ai apprécié dans ce temps que je me suis accordé. Je vais doucement reprendre du tonus, bouger mes orteils, mes doigts, prendre le temps de respirer plus profondément et quand je l'aurai décidé, je pourrai rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant.